chanter les mineurs. Qui les amuse? Aloha, les mangeurs de canne à sucre. Clairin, Le Rocher, on part sur Haïti. Haïti, petite île qui produit en fait et qui comprend surtout plus de 500 distilleries sur l'île. C'est juste hallucinant. Alors qu'elles soient clandestines ou déclarées, ça j'en sais rien. Mais leur particularité, en tout cas leur spécialité sur l'île, c'est les clairins. Alors c'est quoi les clairins? C'est des rhums blancs qui sont issus donc de canne à sucre autochtone, donc c'est-à-dire que ce n'est pas des variétés hybrides qu'on a croisées, qu'on a clonées, qu'on a fait venir d'ailleurs. Ce sont vraiment la canne à sucre qui a toujours poussé sur l'île. Donc des cannes à sucre qui sont des cannes à sucre qui sont solides, qui puisent vraiment toute leur énergie et leurs arômes, leurs saveurs vraiment dans la terre haïtienne. On a un rhum qui est produit à partir donc de canne à sucre fraîche. Alors une des particularités du clairin, c'est d'avoir des fermentations spontanées. Une fermentation spontanée, c'est quoi en fait? C'est faire fermenter le jus de canne fraîchement pressé à l'air libre. Donc à l'air libre, ça va permettre aux bactéries de l'air ambiante et les bactéries contenues naturellement dans le jus de canne à sucre à fermenter. Donc ça va être une fermentation sans ajout de levure chimique. Après cette fermentation, qui est souvent plus longue qu'une fermentation traditionnelle, on va distiller ça dans souvent des pot stills ou des alambics colonnes qui seront alimentés au feu de bois. Donc c'est des chauffes à feu nu, comme ils appellent ça. Donc, à l'ancienne. Après cette distillation, en tout cas cette double distillation, on va obtenir ce produit qui est un magnifique produit du terroir haïtien. Alors le clairin, avant, personne ne connaissait. C'est en 2012 en fait Lucas Gargano qui s'est rendu à Haïti parce qu'il avait entendu parler que là-bas on produisait, d'après beaucoup de monde qu'il a rencontré lors de ses différents voyages dans le monde du rhum, on produisait le meilleur rhum blanc au monde, et en tout cas le plus authentique. En 2012, l'Italien a mis en lumière vraiment le clairin en rencontrant en fait trois producteurs différents. Nous avons d'abord Michel Sajou, Faubert Casimir et Fritz Vaval. Et le petit dernier en date qui est Romulus Bettel, qui sont vraiment ces quatre producteurs maintenant phares de clairin, avec à chaque fois son terroir, sa canne à sucre, son type de fermentation et son type de distillation. C'est vraiment intéressant puisque sur l'étiquette des clairins, vous avez toujours tout qui est indiqué. Donc le nom du village, la récolte, l'année, le type de fermentation, distillation, distillateur, type d'alambic, et puis toujours produit totalement naturel, le degré qui est aussi non réduit. Donc on a vraiment un produit, encore une fois, je le répète, authentique à souhait. Le deal qui se passe donc entre les producteurs, donc les quatre producteurs et notre ami italien Luca Gargano, c'est qu'en fait il va acheter la production plus cher pour qu'il soit correctement rémunéré déjà. Il va s'occuper de la mise en bouteille, il va s'occuper de l'exportation pour les assoiffés d'Européens. Et en échange, ça doit être une canne à sucre monovariétale, donc d'une seule variété, vous l'aurez compris, sans ajout chimique et récolté à la main. Donc il veut vraiment garder toute l'authenticité du clairin haïtien. Donc après le Vaval, le Casimir et le Sajou, qui sont les trois gammes régulières qui sont déjà sorties depuis quelques années, voilà le petit nouveau de 2017, c'est le clairin Le Rocher. Alors là, on change de village, on va à Pignon, c'est la récolte 2017, et produit totalement évidemment naturel comme les trois autres. Alors ici on est sur un degré un petit peu plus bas, on est à 46,5, les autres sont souvent à 51-52 en fonction des batchs, puisque d'un batch à l'autre le produit et le clairin peuvent varier. C'est ça qui est intéressant, chaque année est unique, puisque la canne à sucre c'est comme un cépage dans le vin, on peut avoir des variétés et on peut avoir une récolte qui peut différer en fonction des années. Donc c'est super intéressant à savoir aussi. Alors ce qui est très différent par rapport aux trois précédents, c'est la matière première utilisée. Alors c'est toujours de la canne à sucre bien sûr, puisque le rhum ça doit toujours être issu de la canne à sucre, sauf qu'ici en fait on n'est pas sur du pur jus de canne à sucre frais, donc fraîchement pressé, on est sur du sirop de canne, donc sirop de canne à sucre,
Donc c'est un sirop de canne qu'on aura, c'est un pur jus de canne qu'on aura cuit en fait, qu'on aura fait bouillir. On va mettre donc ce sirop de canne en fermentation dans des cuves à ciel ouvert avec aucun ajout de levure chimique. Donc on va vraiment avoir les bactéries de l'air ambiant et finalement les bactéries contenues naturellement dans ce sirop de canne qui vont se mettre à fermenter. Fermentation qui sont relativement longues, donc on va excéder les 10 jours de fermentation. Donc en plus de cette fermentation à l'air libre, ils vont utiliser la méthode d'Under. La méthode d'Under, c'est une méthode en fait qui vient de Jamaïque, qui consiste en fait à reprendre les déchets d'après distillation, d'après cédant rhum. Donc je m'explique. Dans la cuve de distillation, vous allez récupérer une genre de vinasse, on appelle ça, qui est en fait vraiment toute cette concentration d'arômes, qui reste toujours un petit peu de jus distillé dans le fond de l'alambic. On ne vide jamais complètement l'alambic pendant la distillation. Et donc ces vinasses, on va les récupérer et on va les ajouter en fait pendant la fermentation de ce clairin le rocher, ce qui va en fait donner encore plus de goût, puisque les vinasses, ça consiste vraiment à faire vraiment donner de la saveur, donner vraiment un côté plus ester aussi qu'à l'habitude. Comme vous le voyez, c'est blanc, il n'y a pas de vieillissement en fût, donc on est vraiment sur un produit qui est distillé, on le laisse un petit peu reposer et on le met en bouteille et on obtient un délicieux produit qu'on va goûter incessamment sous peu, voire tout de suite. Évidemment, ici, la couleur, on va pas faire un grand débat dessus, puisque c'est transparent. Transparent parce que, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de vieillissement en barrique. Et qu'est-ce qui donne la couleur à un whisky, à un rhum, etc. C'est le bois. Et donc, oui, nous avons un produit donc transparent. Par contre, on peut quand même analyser la texture, qui, encore une fois, colle bien au verre. On dirait un petit yaourt. Pourquoi je dis yaourt? Parce que c'est très lacté. Parce qu'on est, on a vraiment un caractère qui est hyper laiteux. C'est vraiment étonnant. Et ça, c'est vraiment les vinasses ajoutées pendant la fermentation qui vont vraiment donner cette, ce caractère, cette texture en fait. C'est vraiment une texture, puisque en fait, en bouche, on va l'avoir aussi. Ce nez qui est herbacé, végétal, on est vraiment sur quelque chose de très frais. Moi je trouve un peu des notes un peu anisées comme ça, un peu des notes d'estragon, un côté un peu fumé. La première fois que j'ai senti ça au Whisky Live à Paris, encore une fois, j'ai vraiment apprécié parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment un peu des petits relents de mescal comme ça. C'est évidemment un alcool que j'apprécie énormément, vous le verrez durant les prochaines reviews. Une belle fraîcheur aussi, vraiment ce côté un peu assez marrant, mais au départ c'est vraiment frais, puis on a vraiment après le côté un peu plus fumé, un peu plus végétal qui fait son apparition. Ça donne envie de goûter en tout cas. On a vraiment le côté lacté qui arrive. Vraiment ce côté un peu yaourt comme ça, un peu laiteux. Avec cette fumée qui revient, avec ces notes herbacées, végétales. Il y a vraiment une sensation en bouche qui est très particulière, parce que ça enveloppe vraiment tout le palais. Une pointe un peu poivrée aussi, qui va vraiment amener un côté un peu picotant sur la langue. Intéressant aussi, c'est quand vous avalez votre rhum ou votre spiritueux en général, c'est que le nez va être très différent après avoir avalé votre rhum quand vous ne l'aviez pas encore goûté. Pour la deuxième bouche, quelque chose qui ne m'avait pas frappé au début, mais qui est assez présent, c'est l'olive. On a un côté vraiment olive verte, un côté vraiment très végétal encore une fois, mais vraiment ce côté olive verte, très intéressant.
Et en fait, bouche ici, j'ai alors ce côté anisé que j'avais, qui a même amené de la fraîcheur au nez. Et là, j'ai vraiment plus le bâton de réglisse, un peu plus castard en fait, bouche. C'est délicieux. Pour moi, c'est le clairin le plus accessible en dégustation pure. Car il faut savoir que les autres clairins, on est vraiment plus sur des produits qui sont un peu plus typés, un peu plus corsés, un peu plus brutal. Donc je pense un peu moins facile d'accès, contrairement à ce rocher qui, lui, je trouve, réussit de bout en bout. Merci les Haïtiens.